Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach. Aujourd'hui, je vous propose un entraînement en deux temps, trois mouvements, corps complet. Allez hop, on bouge! Marche! Comment ça va? Merci beaucoup d'être au rendez-vous pour cet entraînement express corps complet. Donc, on travaille le bas du corps, le haut du corps, le devant du corps, l'arrière du corps. On fait compter chaque seconde et c'est vous qui décidez. Toujours un élément important parce que je pense que ça limite les craintes qu'on peut avoir par rapport à la mise en forme. Je veux rendre l'entraînement accessible, mais surtout, surtout, je veux rendre ça agréable parce que je pense que c'est la clé pour faire bouger plus chaque personne. Alors, maintenant qu'on a jasé, on marche ou on jog? Est-ce que ça va pour ça? Je vais toujours vous proposer avec et sans saut. Donnez-moi un petit jumping jack juste pour aller faire ma transition pour être sur la jambe droite. Jack ou tendu. Super important que vous sachiez que vous allez l'avoir l'option sans saut. Alors, ne sautez pas par obligation. Si vous ne la voyez pas venir, l'alternative, faites une marche. Faites quelque chose qui vous permet de bouger sans impact ou avec impact moindre. Et vous, tu fais jogging. Des fois, on est discipliné même si on n'est pas complètement à bout de souffle et c'est une question de se recentrer sur sa respiration. OK? Je vous invite à le faire. Je me propose la même chose en même temps. Trois marchés, un genou. OK? Pas tout de suite. Jog. Trois marchés, un genou dans 8. 7, 6, 5, 4, 3. Here we go. 3, 1, 2, 3, genou. 4, 8, 1, 2, 3. Est-ce que ça va? Est-ce que tu veux faire sans saut? 3, 4, 3. Ça peut être un tap, ça peut être un genou. 3, 2, 1. Yes! 3, 2, 1. Voici votre petite combinaison. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Encore. 3, 1. Hop. 3. Juste. C'est le fun. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup le cardio. J'aime ça quand on peut faire des petites stepettes. On peut le personnaliser, on l'adapte, on le transforme, on laisse aller ses bras. 3, 2, 1. Je pourrais même déplacer vers l'avant. Une autre fois, c'est 1. Une autre fois. Dernière fois, je pourrais dire. Oh, j'ai fait quelque chose que j'allais avoir envie de faire avec vous. Faites-le une autre fois. C'est avance, recule, 4. Avance. J'avais ça en arrière de la tête. Je ne sais pas trop ce qu'on allait faire. Faisons-le. Restez ici. 8, 7. Propulsion finale. Hop. À tout de suite pour le prochain bloc. On poursuit. Grand plié. Hop. On descend, on monte. Allez-y comme ça. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'avais un lacet détaché. On est toujours capable de continuer, mais sécurité avant tout. Descendez, montez. Encore. Descend et monte. Le grand plié, je l'aime bien. Pour ne pas dire, je l'aime beaucoup. C'est une variation du squat. On peut la faire sumo squat. Variation du sumo squat. Qu'est-ce que ça veut dire, variation? Ça veut dire une alternative. Moi, je l'aime parce que souvent, vous avez l'habitude de faire des squats et ce que j'aime, c'est vous proposer de la diversité. Et le grand plié, j'aime aussi le fait qu'il y a des lignes. Hein? On allonge les muscles, descend et monte. Jusque là, ça va? Je vais le faire en deux temps. OK, allez un petit peu plus loin si vous le pouvez. Ajustez, vous allez voir, je le fais presque automatiquement ici parce que ça m'arrive là, d'ouvrir un peu plus grand que ce que je souhaiterais en termes de largeur des pieds. Vite, rapide, puis après ça, combinaison. Si vous êtes d'accord, toujours, on ajuste. Descend, monte les genoux au-dessus des orteils.
dans un angle qui nous convient hein, au niveau des hanches, au niveau du bassin. Donc, en deux temps, vous me faites un, deux, pivote. Et là, je me demandais, est-ce qu'on souhaite le faire plus lent ou plus vite? Je vous le propose plus lent. On va le faire plus vite, puis je vous laisse décider, d'accord? Êtes-vous prêts? On y va. Un, deux. Oh boy, ajustons-nous, hein, vous allez le voir. Possiblement qu'on va perdre l'équilibre, ça arrive. Est-ce que c'est très grave? Absolument pas. Et j'aime bien vous rappeler, par la même occasion, que l'erreur est permise, qu'elle est souhaitée. C'est comme ça qu'on apprend. OK? L'échec est permis aussi. Vous avez le droit d'échouer avec moi. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut juste travailler un peu plus sur un élément qu'on n'est pas capable d'avoir, qu'on n'est pas en mesure de faire aujourd'hui. OK? Peut-être qu'on l'aura demain. Hein? Faut juste persévérer. Puis en reste 8. J'aime le chiffre 8. Encore. Ouh! Est-ce que ça va pour ça? Le sentez-vous dans les jambes? Ah, on jase, mais il est efficace. Et si on restait ici? Reste. Bras ouverts. Comme vous souhaitez, les bras, vous les mettez comme vous voulez. On ne serre pas les fesses. Les fesses ne s'en vont pas vers l'arrière comme le squat. On bascule plutôt le bassin. Vous êtes ici. Sortez vers le bas. Reste ici. 8. 7. Est-ce que ça chauffe? 4. 3. Talons alternés. Hop. Encore. Est-ce que je peux faire les deux talons? C'est juste pour vous fatiguer. Hop. Des petits bras balais surpris, ça vous tente? Sinon, main sur les hanches. La dernière chose que je vous propose, si vous le souhaitez. Bravo! On se retrouve au prochain segment. À tout de suite! Allons nous installer position push-up. Je vais vous donner des alternatives. Bras larges, bras serrés. Est-ce que vous aimez les push-ups? Est-ce que vous connaissez? On appelle ça également la pompe. Je vous démontre la chose. Vous pourriez rester en position planche si vous le désirez. Vous descendez, vous montez. Certains vont préférer monter d'abord. Hein, le push-up, ça prend ici. Alors, je le descends, mais en réalité, push it up. C'est là le nom. Descends et monte. Alors, comment devenir bon en push-up? Il faut faire des push-ups. Alors, si jamais c'est pas possible pour vous d'aller faire le push-up, seriez-vous en mesure d'aller faire la planche sur les avant-bras? Et sinon, j'ai une autre alternative pour vous, différente, que je vais vous démontrer dans quelques instants. OK? Descendez. Oh my! Une autre fois. Et on revient. Alors, si jamais vous êtes en train de vous dire, ben moi, je veux bouger, je veux continuer à bouger, voici ce que je vous propose. On monte et on descend. Les jambes peuvent rester par terre si vous le désirez. Ça va? Il est tout simple. Hein? À quel point la simplicité ne veut pas dire que ça ne peut pas être efficace. Je peux le faire de cette façon, Superwoman. Je peux me reculer juste un peu pour garder mes bras dans les caméras. Ici, hop! Respirez bien. Ça va pour ça. Est-ce que vous êtes capable de m'en faire un autre? Et moi, je vais aller m'installer position planche. Push-up. Avez-vous constaté la différence? Je souris parce que c'est dur pour moi de parler en même temps que de faire un beau push-up. Les bras sont rapprochés. Les coudes sont près de mon corps. Les coudes, tels qu'ils sont présentement, me permettent d'aller travailler l'arrière du bras. Je descends là où je suis capable d'aller. Dans mon cas, j'arrive pas à descendre tant que ça parce que ma crainte, c'est de ne pas pouvoir remonter et vous sourire. On descend et on monte. Trois autres. Descends. Voyez-vous ce que je veux dire? Si je descends, c'est beaucoup plus top de remonter. Je dois ne pas flancher. On étire tout doucement. Et ce que je vous garde pour la fin, si vous me permettez, on va faire push-up 1, 2. Referme, push-up et remonte. On lâche pas, on planche pas. Je sais que c'est pas facile. On y est presque.
Descendez là où vous pouvez, OK? C'est mieux de descendre moins, mais d'avoir une belle technique, de ne pas sentir ça. Là, on ne va pas sentir le travail. Exemple, bas du dos. Oh my! Je suis capable. Il en reste deux, il en reste un. Il en reste un comme ça. On y va? Position planche. On reste, bravo. On a réussi. Quel accomplissement. À tout de suite pour les étirements. Comment ça s'est passé de votre côté? On va tout de suite s'installer étirement du devant de la cuisse pour commencer. Quel beau moment pour apprécier le bien-être qui vient post-entraînement. J'aime beaucoup le souligner parce que ce petit moment-là, il est tellement, tellement précieux et c'est celui qu'il faut garder en tête quand on débute un entraînement puis qu'on a moyennement envie de le faire parce qu'on sait que le plus dur, c'est souvent ce départ-là, se changer ou modifier un peu son planning pour l'insérer. Inspirer, expirer. On est ça présentement le devant de la cuisse. Je vais changer ça en allant de l'autre côté. Vous pouvez aussi vous installer sur le ventre, faire les deux en même temps. Suivez-moi pour celui-ci. Donc, devant de la cuisse. Puis je vous dirais qu'on pense souvent que pour les autres, bien, tout le monde est motivé, ils n'ont pas de problème, ils vont faire tout ce qu'ils ont à faire, mais on est tous un peu victimes de ça. Les journées sont longues, on a plein de choses à faire, puis parfois, bien, on n'a juste pas envie de s'activer ou on pense qu'on est trop fatigué pour le faire. Donc, il faut se rappeler que souvent, l'énergie va venir. Il faut se faire confiance, puis il faut juste le partir, quitte à le faire moins intensément, parce que les bienfaits vont être là, d'accord? Alors, ne doutez jamais des bienfaits grandioses d'un entraînement express, puis aider les autres à le comprendre. Restez là. Je vais venir m'asseoir et sûrement de l'intérieur de la cuisse, celui-là. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un peu de ballet, un peu de danse. Fut un temps certainement où on était plus souple. Peut-être que vous l'êtes toujours. Jugez-vous pas par rapport à votre souplesse. On veut juste aller chercher un étirement de l'intérieur de la cuisse. Alors, je vous propose ceci. On s'avance tranquillement. Inspire, expire. On garde le sourire, même si c'est inconfortable. Tant que c'est pas douloureux, est-ce que ça va pour vous? Inspire, expire. Petit train va loin. La pensée du jour, celle que j'aime aussi vous rappeler, c'est on fait compter chaque seconde parce que le temps est précieux. Inspire et expire. Bienvenue-vous-en. Le papillon, ça fait du bien. Donc, les contenus sont disponibles un peu partout sur le web, notamment sur la chaîne YouTube de la station. Je vous invite à aller les découvrir, les redécouvrir, parce que souvent, il y a plein d'alternatives qu'on n'a pas découvertes quand on le fait une première fois, quand on fait les entraînements. Alors là-dessus, je vous souhaite une journée extraordinaire. Merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous. À bientôt!